Je ne supporte pas Oliver Twist. C'est incroyable. Il aurait pu mal tourner, mais il ne l'a pas fait et a déçu mes grandes espérances. Enfin, oublions cet orphelin modèle. Ce soir, j'ai choisi pour vous une autre histoire d'orphelin, mais beaucoup moins gentillette. Calez-vous bien dans vos fauteuils et ouvrez bien les yeux. Il n'y a pas que les oreilles qui se percent, il y a aussi les secrets. Et voici l'orphelinat. Vous n'avez rien entendu? Ce que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'il est impossible, je dis bien impossible, que faire confiance à ses enfants. Est-ce bien clair? Tout à fait. Pourtant, ils sont si mignons et je n'ai aucun problème avec eux. Bien sûr, ils ont tous l'air mignons. Mais fiez-vous à mon expérience. Ils cachent bien leur jeu. Il faut les surveiller constamment. Ça fait 20 ans que je suis la directrice de cet orphelinat. Et vous savez combien d'enfants j'ai réussi à placer? Non. Je vais vous montrer. Ce qui me met hors de moi, c'est qu'ils trichent. Vous n'avez pas vu comme ils sont doués pour copier les uns sur les autres? Je n'ai rien remarqué. Oh, c'est une naïveté touchante. Mais j'espère que vous avez compris. Oui, je crois que j'ai compris. Vous avez beaucoup de choses à apprendre sur la discipline. Et nous avons le devoir d'empêcher ces garnements de devenir des délinquants juvéniles. Oui, madame. Une dernière chose pour finir. Nous devons trouver une solution pour Théodore. Il a dépassé l'âge idéal pour être adopté. La majorité des parents adoptifs veulent des enfants qui savent à peine marcher. Qu'est-il arrivé à ses vrais parents? Vous ne devez jamais, jamais parler de ses vrais parents, ni de l'étrangeté de son comportement. Ai-je été suffisamment explicite? Absolument. Théodore, qu'est-ce que tu faisais sous cette table? Tu espionnais, c'est ça? Non, madame Axted, j'avais faim. Tu crois vraiment que c'est bien de voler des pommes pendant que les autres dorment? Je suis plus grande que les autres. Ah, et ça te donne le droit de venir fouiner au milieu de la nuit, c'est ça? Eh bien, non. Accompagnez-le là-haut. Et faites en sorte qu'il reste bien dans sa chambre. Bien, madame. Madame Axted vous a dit des secrets sur moi, hein? Je le sais. Nous parlions de différentes choses qui ne regardent pas les enfants. Mademoiselle Hitter, vous êtes obligée de m'enfermer dans ma chambre. Je dois obéir aux ordres. Et maintenant, essaie de dormir. Il y aura des flocons d'avoine et des biscuits au petit déjeuner. Et au déjeuner? Eh bien, il y aura de la soupe de légumes, des petits gâteaux et de la citronnade. Madame Axted! C'est affreux, Théodore s'est enfui. Je suis allée dans sa chambre pour le réveiller. Sa fenêtre était ouverte et son lit était vide. Rassurez-vous, il va revenir. Il a des accès de mauvaise humeur de temps en temps et il disparaît pendant quelques heures. Il est incorrigible. Il faut se débarrasser de lui. Tiens, tiens. Bonjour, Théodore. Apparemment, passer par la fenêtre et glisser le long de la gouttière pendant l'orage, Sally. Quand tu te seras lavé et changé, tu auras aidé Joy dans la cuisine. Oui, madame. Quelle est la différence entre des brocolis et des hamburgers? J'en sais rien. Je déteste les brocolis. Elle est bien bonne. Mais la raconte pas, madame Axted. Théo, je t'apporte d'excellentes nouvelles. Joey, si tu allais jouer avec les autres? Oh, pourquoi on me dit toujours de m'en aller quand ça devient intéressant? Écoute, un couple très bien va venir ici ce soir. Et il a très envie de faire ta connaissance. Alors c'est important qu'on fasse bonne impression. Tu comprends bien ce que ça veut dire. Allez, Trappeur, souris, ça va aller. Mademoiselle Hitter? Oui, j'arrive tout de suite. Tu
es absolument parfait. Tu n'es pas de cet avis? Il est parfait. C'est lui que nous voulons. À partir d'heure, tout le monde peut aller jouer. Excellent choix. Et si je ne veux pas m'en aller? Ne dis pas de sottises. Ah, je comprends. Tu te sens bien ici, c'est chez toi. Mais je crois que ça te plaira de vivre avec nous dans une maison luxueuse. Imagine, tu auras une salle de bain à toi et des serviettes brodées à tes initiales. Mais si Joey venait avec... Chut, oh, Théodore. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'une tasse de thé. Tu veux venir m'aider dans la cuisine? Excusez-nous. Écoute-moi bien, sale petit garnement. Si ce couple te veut, tu vas les suivre. Où sont mes vrais parents, Madame Maxted? Tes vrais parents? Oh, Théodore, je suis désolée. Ils ont été tués quand tu n'étais qu'un bébé. Comment c'est arrivé? Comment? Oh, les détails sont sans importance. Oh, mon garçon, les Colbert sont des gens un peu excentriques et... C'est vrai, mais tu auras une très belle maison. Et des tonnes de bonnes choses si tu as faim. Tu te plairas avec eux, j'en suis sûre. C'est bon d'être de retour. Oh, tu oublieras très vite cet horrible orphelinat. Ça va être merveilleux d'avoir Théodore avec nous, n'est-ce pas, très cher? Merveilleux de l'avoir avec nous. Waouh! On dirait un musée, cette maison. Que tu ne touches à rien ici, Théodore. La plupart de ces objets sont extrêmement anciens. Et quant aux autres, ils ont une grande valeur sentimentale. Merci, c'est gentil. Tu étais tellement patient. Nous avons attendu si longtemps. Madame Colbert, pourquoi vous avez fermé la porte à clé? Monsieur Colbert! Monsieur Colbert! Qu'est-ce que Madame Maxted leur a dit? Votre petit déjeuner, monsieur. Waouh! Je vous servirai le repas pendant que les Colbert sont à leur travail. S'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, dites-le moi. Je m'appelle Tobias. Merci, Tobias. Puis-je avoir un verre de lait? Souhaiteriez-vous un milkshake? Je crois que je vais me plaire ici. Je vous apporte votre milkshake tout de suite. Et si vous désirez autre chose, n'hésitez pas à m'appeler. Pourquoi il y a des barreaux aux fenêtres? Il y a des barreaux à toutes les fenêtres de cette maison, monsieur.
Question de sécurité, les Colbert collectionnent des antiquités et des objets d'art. Madame Colbert, pourquoi est-ce que je dois rester dans ma chambre toute la journée quand vous et Monsieur Colbert, vous travaillez? Tu es le bien le plus précieux que nous ayons, Théodore. Nous ne voulons pas courir le risque de te perdre dans ses bois. Mm-hmm. Et Tobias est bien trop vieux pour courir après toi. Je me suis dit que peut-être qu'on pourrait sortir un de ces jours. Ce serait bien si on pouvait aller au cinéma ou à la patinoire. Ou à un match de basket, comme le font les vraies familles. C'est une merveilleuse idée que tu as. Malheureusement, M. Colbert et moi, nous avons beaucoup de travail en ce moment. Mais nous voulons faire quelque chose de très spécial pour toi, Théodore. Oui, très spécial. Ah oui? Mm-hmm. Quoi? Oh, c'est un secret. C'est pourquoi? Tu ne veux pas qu'on te révèle déjà le secret, non? Je déteste les secrets. Mm-hmm. Votre déjeuner est servi, monsieur. Aujourd'hui, Charlotte à la fraise, glace aux fruits nappée d'une tonne de chocolat. Et voici. On ne mangeait jamais autant à l'orphelinat. Tobias, vous croyez que vous pourriez venir me voir cet après-midi? Et je pense que je devrais pouvoir venir pour jouer aux cartes ou à autre chose. Je crois que j'ai plus envie de m'amuser. Où sont les Colbert? Eh bien, ils sont légèrement souffrants. Surprise! Un énorme gâteau d'anniversaire pour toi! Joyeux anniversaire, Théodore! Joyeux anniversaire, Théodore! Souffle vite les bougies d'un seul coup! Oh, bravo! Mais ce n'est pas mon anniversaire. Mais bien sûr que non, trésor. Sinon, ce ne serait pas une surprise. Ça a l'air vraiment bon, mais pour l'instant, je n'ai pas faim. C'est que j'ai mangé une boîte de crackers il y a moins d'une heure. Bon, eh bien, tu le mangeras plus tard. Bien, amuse-toi avec Tobias. Ton père et moi, nous sortons. Nous avons quelques obligations.
Dépêche-toi, ouvre tes cadeaux. Bonne nuit, fils. Il y a longtemps que vous travaillez pour les Colbert? Oui, très longtemps. J'étais un jeune homme. Quand vous étiez petit, est-ce que vos parents travaillaient tous les jours, comme les Colbert? Je n'ai connu ni ma mère, ni mon père. Vous non plus? Non. J'étais un orphelin, tout comme vous. Est-ce que vous avez été adopté? Non. Il y avait un Tobias à l'orphelinat, mais on l'appelait Toby. Est-ce que quelqu'un vous appelle Toby? Non. Mais vous pouvez le faire si vous le désirez. C'est bien que vous soyez ici, Toby. Tobias! Bonne nuit. Toby, bonne nuit, Toby. Bonne nuit, mon garçon. Loin d'ici, j'espère que ce n'est pas trop tard. Venez. Comme c'est intéressant. Vous partiez. Vous vouliez fuir avec le petit, à ce que je vois, Tobias. Mais nous ne lui avons pas encore dit notre secret. Je regrette, je ne suis plus d'accord. Nous avons conclu un marché. Vous avez demandé l'immortalité. Ce soir, nous allons vous la donner. Une belle compensation pour avoir fait du babysitting, n'est-ce pas? Alors, vous ne voulez pas vivre éternellement? Vivre éternellement? Je ne vois rien de plus ennuyeux, de plus pénible. Vous refusez? C'est cela? Je vous en prie, laissez partir l'enfant. Non, pas maintenant que son sang est sacré. Non. Sauve-toi, Théo, sauve-toi! Toby!
un bon chien. Oh. Tu aurais pu nous faire mourir si nous n'étions pas déjà morts. Maintenant, je sais ce qui est arrivé à mes parents. Je sais pourquoi Madame Axted voulait se débarrasser de moi. Moi aussi, j'ai un secret, Madame Colbert. Ça ne m'étonne nullement. Et mon secret est plus terrible que le vôtre. J'en suis un nouveau. Et j'ai toujours de l'appétit pour les vampires. Sheila, chut. Je ne veux pas qu'on réveille tous les enfants. Bonsoir, Madame Axted, Mademoiselle Hitter. Eh oui, me voilà. Tu reviens. Je connais mon secret maintenant. Et je crois que bien des choses vont devoir changer à l'orphelinat. En fin de compte, c'est le gamin qui a gagné. Je ne sais toujours pas si c'est un bien ou un mal. En tout cas, ces faux papas et maman gâteau n'ont pas pu rentabiliser leur investissement en sucrerie. Tant pis pour eux s'ils s'y sont cassés les dents. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais vous pouvez cauchemarder en toute tranquillité. Ce n'est que nous revoir.